Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Doyon, bonsoir. Bonsoir. J'attendais presque votre Stay Wild, Keep Reading. Stay Wild, Keep Reading. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode de podcast de Reading Wild. On est ici à la Maison de la Poésie. Une scène littéraire merveilleuse. Le public, malheureusement, ne peut pas être avec nous physiquement. On l'imagine. Mais on sait voilà, vous êtes là. Que vous êtes là oui. avec nous. Vous nous attendez, vous attendez surtout Lou. Et moi, j'ai la chance d'être avec elle pour échanger et pour vous offrir ce moment oui. autour de la lecture. Merci de m'avoir. C'est un peu un rituel maintenant, entre toi et moi. De se retrouver, absolument, ouais. et un rituel aussi pour vous, que vous avez eu pendant de longs jours et de longues semaines. Je le dis parce que c'était il y a un an maintenant. Ouais. Vous avez offert ces moments comme ça, hand in hand, de lecture, de musique. Je pense qu'on va le faire aussi un petit peu ce soir. Il n'est pas 17h, il est 19h. Ouais, on a changé les horaires, c'est une nouvelle année. On est en direct. Ouais. Donc, ben, c'est parti, on le fait ensemble. Allez, c'est parti. Moi, je vous ai regardé tous les jours. Non, c'était joyeux. Ça s'est fait sans y réfléchir trop, comme les meilleures choses, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que c'était beau d'être ensemble et étonnant avec ces réseaux sociaux de sentir une vraie présence. Ça qui était troublant, c'est que je sentais vraiment que les gens étaient là. Et d'ailleurs, c'est assez joyeux. On voit les mots sur le côté. Et au bout d'un moment, cette idée folle qu'on avait les mains ensemble, vraiment liées. Oui. Et cette chanson à la fin qui est venue, je ne sais pas bien comment, mais d'un coup, avec tout le monde me disant dans quel pays ils étaient. C'était merveilleux. C'était une chaîne merveilleuse. Ouais. Non, une grande chance. Et on ressentait l'énergie vraiment circuler. C'est ce que vous disiez. Ah ouais. Moi, le dernier jour, d'ailleurs, j'étais dans un tel état de larmes. C'était compliqué. C'était comme perdre beaucoup d'amis. Et encore plus troublant parce que des vrais amis, des amis liés par la lecture, ouais. alors que... On s'est jamais vu avec toutes ces personnes-là. Et en même temps, oui, c'était beau. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des auteurs, des autrices. J'ai découvert de la poésie. Enfin, c'était merveilleux comme échange. Vous avez même chanté en français. Ouais. Pour la première fois. Et là, ça y est, je crois, c'est pas un rituel encore, mais... Ça y est. Ça prend corps. Ça prend dans mon corps, un peu, ouais. Bon, alors, on est ici pour cet épisode de podcast. On est là pour parler de la lectrice que vous êtes. Et on a une question rituelle, c'est Lou Doyon, quelle lectrice êtes-vous ? Je pense que je suis plusieurs, j'ai plusieurs lectrices ou lecteurs en moi. Plutôt acharnée, je dirais. Plutôt, oui, c'est viscéral et c'est vivant, surtout. Et c'est musical, effectivement, je sais que... On me grille souvent en train de lire à haute voix. C'est assez joyeux le masque. Je peux lire dans la rue à haute voix. Et les gens ne savent pas trop que ça vient de là. Mais effectivement, c'est une musique et c'est dans le corps. Donc je peux pleurer bien plus facilement en lisant un livre qu'en regardant un film, sans parler de dans la vie. Où vraiment, les livres m'atteignent d'une manière plus forte et plus vivante que d'autres médiums que j'aime tout autant. Mais c'est vrai qu'il y a... Ça se travaille ensemble et c'est émouvant de voir à quel point c'est vivant. Voilà, il y a quelque chose d'incroyable de dire même quand on lit Ovid ou quand on lit Homère, c'est vivant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et ça nous a traversé depuis si longtemps. Donc ça fait partie de comment l'être humain se raconte ouais. depuis le début en fait et ce besoin qu'on a de raconter, de se raconter. Et de rester, peut-être d'une manière. Je trouve que c'est les... c'est le seul endroit où les gens sont encore en vie, d'une manière. Ça a été tout de suite, toutes ces émotions, tout ce sentiment. Le premier livre, vous avez ressenti ça tout de suite ou c'est venu quand même un petit peu après ?
Ça a vraiment été... je dirais qu'il y a plusieurs choses. Le premier souvenir que j'en ai, c'est qu'effectivement, ma mère me lisait au lit quand j'étais petite et digressait beaucoup, comme on a pu le voir dans les lives où elle me rejoignait les dimanches. Effectivement, elle racontait un peu son histoire à elle. Donc, les trois petits cochons, moi. Sa version est la mieux. Maintenant, on est plus nombreux à la connaître, elle est extraordinaire. Voilà, effectivement, c'est plus tard que j'ai appris que très peu de contes ressemblaient à ceux que j'avais lus. Et puis, il y avait la blague qu'elle me lisait tous les Dickens et que ça me gonflait tellement qu'apparemment, il commence toujours par I was born. Et effectivement, normalement, je m'endormais à la fin du I was born. Donc, c'était rituel, mais comme quelque chose d'enfantin et de maternel. Et mon père, qui est un lecteur pas plus sérieux, il détesterait ce mot-là, mais en tout cas... plus concerné, voilà, ouais. qui vraiment a toujours la tête dans un bouquin, m'a un peu forcé la main. Alors, c'était pas forcément heureux parce que c'est compliqué de transmettre les livres et des fois on se plante. Et mon père, d'une manière très émouvante, était convaincu que j'avais un esprit d'aventure, ce qui était faux jusqu'au mois dernier, qu'il aurait cru, où j'ai lu la mutinerie du Bounty. Et là, pour le coup, j'étais à fond dedans. J'ai vu sur votre compte Instagram. Voilà, mais c'était la première fois, je crois que sinon, on m'en foutait un peu. Et je ne sais pas pourquoi, il était convaincu que j'aimerais les romans d'aventure et que j'aimerais ce très cher Jack London, Cro-Blanc et l'appel de la forêt, qui, pour moi, sont... c'était pas mon truc. Donc, il me forçait à lire à haute voix pour vérifier que je lisais. Ouais. Et c'était atroce. Donc, il y avait une forme d'aversion. C'était son truc. Ça me gonflait. Et en même temps, d'un point de vue romantique, effectivement, je voyais qu'il avait des yeux incroyables quand il était en train de lire. Je voyais que mon oncle avait toujours un bouquin à la main. Donc, il y avait une imagerie du lecteur, ouais. de la lectrice un peu moins, du lecteur, ma grand-mère, grande lectrice. Donc, en même temps, si, des gens dans les livres. Mais je n'avais pas trouvé le lien. Et puis, c'est venu très étrangement. C'est venu par un recueil de nouvelles de Le Clésio. Un livre pour ados qui s'appelle Lulabi. Et alors là, j'ai lu Lulabi, je l'ai relu. Et une telle satisfaction d'être dans mes propres larmes. Je m'étais complètement identifiée au personnage. Et là, a commencé quelque chose qui m'appartenait, en fait, qui faisait partie de mon intime. Et assez vite, j'ai redonné une chance à ce très cher Jack London. Et effectivement, les nouvelles sont merveilleuses. Il y a une nouvelle qui s'appelle Le Boxeur, je pense, qui, pareil, m'a mis dans un état de larmes incroyable. Et à partir de là, ça s'est infiltré en moi. Et très vite, je me retrouve à travailler. J'ai commencé les tournages un peu intensément vers l'âge de 14-15 ans. Et donc, c'est devenu quelque chose qui m'accompagnait dans toutes ces heures d'attente. Mmh. Donc, il y a la grande découverte de Kerouac et de la Beat Generation sur mon premier film qui s'appelle Trop peu d'amour. Et ça, vous alliez les chercher vous-même. Du coup, c'était les découvertes se faisaient... C'est peut-être mon père qui a dû se dire que vu que je commençais à avoir l'air de quelqu'un qui n'était pas loin d'avoir envie de fumer des pétards et de partir en stop, il s'est dit c'est peut-être le moment. Donc, il m'a filé sur la route, ce qui était une bonne idée pour le coup. Et ensuite, Jean-Pierre Améry sur le tournage de Mauvaise fréquentation qui m'a offert John Fante, ce qui était une merveilleuse découverte. Mmh. Je me rappelle, c'était une collection en 3 tomes. J'ai oublié de la collection. Mais, voilà, vous lisiez en français ? Que j'ai lu en français, parce qu'il me l'avait offert. Et ensuite, effectivement, a commencé tout un travail d'obsession. Donc, effectivement, j'ai relu Fante, mais alors là, pour le coup, en anglais. En lisant Fante en anglais, l'introduction est faite par Bukowski. Dans Bukowski, sur Bukowski, d'un coup, il parle de Henry Miller. Donc, je pars sur Henry Miller, et là, sur Anaïs Nin. Et à partir de là, commence le grand mouvement d'être inspiré par. Et puis, d'un coup, on est là-dessus. Et je dis, ah, mais voilà, j'aime les romans de loser. Et mon père me dit... D'ailleurs, j'ai vu qu'il est là, me dit, oui, mais enfin bon, tout le monde parle toujours des mêmes, mais est-ce que tu as lu Bove ? Donc là, d'un coup, obsession d'Emmanuel Bove, et ensuite Knut Hamsung. Donc, c'est des chemins, en fait. Et à chaque fois, c'est ou une personne physique qui vous emmène vers, ou alors, effectivement, c'est aimer les gens que vous avez aimés. Oui. Donc, de voir qui plaît ou qui est dans le cercle d'eux. Et des fois, des oublis. Et des fois, il y a des choses qui se transmettent sans qu'on comprenne bien pourquoi. Moi, j'adore la mythologie. Ma mère, ça la gonfle complètement. Mais j'ai appris il y a quelques mois, elle me dit « Ah, c'est drôle, t'aimes la mythologie comme ma mère. Oui. » C'est là que j'ai appris qu'un des amants de ma grand-mère était un des grands experts de mythologie dans les années 40 et qu'elle avait écrit une pièce mythologique.
qu'elle n'a jamais montré à qui que ce soit. Donc j'ai demandé, je dis, mais est-ce que je peux retrouver ? Donc voilà, est-ce que c'était étrangement génétique Effectivement, j'aime les femmes poétesses comme ma grand-mère. C'est elle qui m'a transmis Dorothy Parker, Edna St. Vincent Millay, que j'adore, Emily Dickinson. Donc voilà, c'est des parcours, et effectivement, j'ai jamais été sans amis. C'est-à-dire que normalement, un ami amène un autre ami, amène un autre ami. Donc il y a les montagnes de livres lus, les montagnes de livres à lire, les montagnes de livres qu'on vous offre. Et là-dedans, il y a des découvertes et puis des gens merveilleux. Voilà, c'est les librairies, il faut quand même passer du temps dedans parce qu'il se passe des choses. Alors, une grande affinité pour Shakespeare and Company. Parce que vu qu'il y a des canapés, je message à tous ceux qui ont des librairies, mettez des canapés, mettez des fauteuils, parce que si les gens restent, il se passe des choses en fait. Et je me rappelle un jeune garçon assez beau qui me voit rôder dans le rayon poésie, et pour Dieu sait quelle raison, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « You should read this ». Et c'était l'autobiographie du Rouge de Anne Carlson, qui m'a retourné, découverte sublime. Donc merci à ce jeune homme qui... Donc, voilà, il y a maintenant ce truc très heureux des livres posés dans les boîtes aux lettres ou dans les... ça, c'est génial. Donc, j'y crois beaucoup à ça. Il y a des livres, comme des livres qu'on croise plein de fois, qu'on ne lit pas, et puis un jour, on les lit. Vous en laissez quelques-uns, de temps en temps, dans un hôtel est-ce que je laisse les miens? Oui. J'étais là, genre, où est-ce que je vide les boîtes aux lettres quand il y en a? C'est ça, vous en laissez aux autres? Oui, j'en laisse aux autres. Est-ce que de temps en temps, vous pouvez abandonner, justement, pour que ça circule? Est-ce que... C'est compliqué. Non, pour être très honnête, non. J'abandonne ce que je n'ai pas trop aimé. Parce que je ne sais pas jeter un livre. Ça, je trouve ça d'une violence absolue. Donc même, je ne sais pas. C'est quand même, derrière chaque bouquin, il y a un tel travail. Qu'on ait beaucoup de talent ou pas, c'est vraiment pas très grave. C'est un tel effort de vie, encore plus aujourd'hui. C'est le travail le plus monstrueux et économiquement, les gens vivent dans une modestie totale. Donc j'ai beaucoup de respect pour le livre en lui-même, mais les miens, non. Mais c'est comme je ne sais pas lire sur tablette. J'écris dans chacun des bouquins où je suis quand je le commence, où je suis quand je le termine. Et tout ce qui s'est passé entre peut être écrit en annotation sur les bords. Je ne l'ai pas pris parce qu'il est trop vieux et déchiré, mais j'ai un vieux Dorothy Parker, celui que j'avais partout. Il y a plein de notes sur le bord, il y a des phrases comme disait Marlowe, mon fils, il y a des colliers de fleurs qui se retrouvent dedans. Je peux même garder l'endroit où je l'ai acheté, la note. Voilà, l'objet est un peu sacré. Enfin, le bouquin est sacré. Les autres objets, je m'en tape assez, mais... Comment vous gérez ça chez vous? Parce que vous lisez quand même énormément. Donc là, des objets sacrés, il doit y en avoir un paquet. J'en suis à 3 bibliothèques maintenant. Il y a la bibliothèque dans le salon fiction par ordre alphabétique. Bon. Tiens, un peu timbré. Premier étage, recherche, biographie, art, musique dans mon bureau et dans ma chambre. Vous avez une passion pour les biographies? Ouais, j'aime beaucoup les biographies. Les parcours. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein, vachement bien sur les filles. Moi, j'en découvre plein avec vous. Ouais, il y a plein d'autobiographies super, des biographies aussi, mais j'aime beaucoup les autobiographies. Et dans ma chambre, ça y est, j'avais modestement mis une étagère poésie. Bon, on est passé à 2. Là, ça y est, je viens de la re-ranger. Les 2 sont remplies. Je pense qu'on va passer à une troisième planche. Mais j'aime bien ça et j'ai essayé de me dire avec qui j'avais envie de dormir. Et effectivement, dormir avec tous les poètes et les poétesses, ça me va bien. C'est plutôt pas mal. Et vu que ça change l'ordre, enfin, vu qu'il y en a de plus en plus, j'aime bien... en ce moment, je m'endors du côté de Joyce. Mais, avant, ça, on était plus près de Whitman, ce qui prouve qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés en un an. Et les anthologies aussi qui sont en dessous. Ouais. Et on parlait de transmission. Votre fils, justement, vous lui avez transmis ce goût de la lecture et il aime lire aussi. Il aime lire, heureusement. Je me suis acharnée un peu aussi. J'ai essayé de... J'ai pas imposé Jack London, ce qui en fait est une connerie parce que je pense qu'en fait il aurait aimé. Et que lui, pareil, j'ai filé plein de bouquins pensant que ça allait l'inspirer. Et non, c'est une prof qui a trouvé le premier livre qui lui a vraiment plu. Donc c'est merveilleux aussi de déléguer le fait que. Ce qui est important, c'est les enfants, ils voient. Donc ce qu'on dit, je pense qu'ils s'en foutent assez. Ce qu'on fait, ça a tendance à leur rester dedans. Donc il m'a effectivement vu.
lire tout le temps depuis qu'il est petit et prendre énormément de plaisir. Je lui ai beaucoup lu à haute voix. Vicieusement comme ma mère, elle m'a toujours appris ce qui est un bon tip pour endormir les enfants. Jamais il faut lire des livres qui les intéressent ou qui comprennent. Sinon, vos enfants ne dorment pas. Donc moi, elle me lisait effectivement Dickens, ce qui fait que je m'endormais. Et Marlowe, je lui lisais Paradise Lost, le paradis perdu de Milton en anglais. C'est redoutable. Il tenait pas à une page et demie, donc moi j'avançais pour moi. Et puis plus grand, non, c'est merveilleux. On a fait un voyage pendant quelques semaines, on s'est baladé en Andalousie et on a lu ensemble toutes les Métamorphoses d'Ovide. Parce que ça, j'avais envie de lui transmettre. Et on rigolait beaucoup et en faisant des parallèles avec des gens qu'il connaissait. Enfin, il faut désacraliser la chose aussi. Et puis, ça s'est passé finalement... ça s'est passé il y a quelques années où là, il y a eu un vrai plaisir de se barrer tous les deux pendant 10 jours et ne faire que lire. Et donc, moi, j'ai lu ce qu'on appelle maintenant, parce qu'ils ont changé le titre, c'est Les Idiots de Dostoïevski, qui ne s'appelait pas Les Idiots avant, qui avait un autre titre. Je crois que j'avais une vieille version, mais c'est Les Idiots maintenant. Absolument. Et lui, Crime et Châtiment, les merveilleuses traductions de Markovitch. Ce qui change André tout. André Markovitch, ouais, merveilleux, merveilleux. Parce je lui ai montré aussi ce que c'était qu'une traduction, parce que j'avais un La Pléiade gentiment offert par mon père. Et effectivement, c'était pas plus joyeux que ça. C'était un peu pesant. Et le Markovitch, il est parti. Et quelle joie de le voir descendre un peu pâle, me disant, dès le deuxième jour, me dis pas qu'il va parler avec le flic, me dis pas. Je dis, mais je te dis rien, faut que tu remontes dans ta chambre. Et là, j'ai vu la passion. Arrivé et aujourd'hui oui, alors on partage maintenant, mais c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas pareil dans notre manière de ce qu'on aime lire. Donc moi effectivement j'aime énormément la fiction, lui il préfère ou des romans plus d'aventure ou de la philosophie. Donc mais notre gros point commun c'est Victor Hugo. Ah oui, ouais. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Victor Hugo, moi j'étais passée à côté. Vous avez commencé par lequel? Moi, j'ai commencé par... parce que j'ai enchaîné tout pendant la dernière tournée où c'était une... J'ai commencé par Notre-Dame, ouais. Notre-Dame de Paris. Ensuite, qui est une merveille quand même, et une merveille historique, et une merveille... Enfin, c'est digression, mais qu'est-ce que j'aime ça, le cerveau de Victor Hugo. Et d'ailleurs, c'est très émouvant. Il y a deux soirs, je disais, oh, quelle époque étrange, j'aimerais bien qu'un philosophe soit là. Et mon fils très drôle m'a dit, tu vois, moi, si je pouvais ramener personne, ça serait ramener Victor Hugo, parce que vraiment, ce qu'il pourrait écrire, ça nous donnerait une bonne leçon sur ce qui se passe. J'ai une grande tendresse en me disant, waouh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mômes aujourd'hui qui se diraient que s'ils voulaient ramener quelqu'un une journée, ça serait Victor Hugo. Ce serait Victor Hugo, mais c'est vrai que quand j'ai lu L'Homme qui rit... Oh, merveille, L'Homme qui rit. C'est ce que vous disiez. Par contre, il est salopard quand même, hein, parce qu'il n'y en a pas un que je termine sans être dans un état de larmes. L'Homme qui rit, la fin, mais ça n'est pas possible. C'est pas possible. Le loup-chien, là, mon Dieu. Ouais, je dis rien pour les gens qui nous écoutent, spoiler, comme mais on dit. Mais tous les Victor Hugo terminent mal quand même, et on est à genoux. Mais et ça dit tellement de belles choses sur ce qu'on vit aussi aujourd'hui, c'est ce que vous disiez au début sur... À travers les siècles, les absolument. Époques, ça nous parle aujourd'hui. Et celui très beau, c'est quoi, Les Travailleurs de la mer? Oui, absolument. Très, 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 très beau. Très émouvant aussi. Donc on a réussi, mais c'est rigolo. Voilà, les bouquins qu'il aime, ce n'est pas forcément les mêmes que j'aime moi. Et il faut apprendre ça aussi. Il faut aimer les gens, même quand ils lisent des bouquins qui ne sont pas les mêmes que vous. Après, il y a certains bouquins où... qu'on redoute un peu, mais non, je lui ai quand même transmis de... Je ne sais pas si c'est pour me faire plaisir, mais je ne pense pas. Je pense qu'il a un vrai plaisir de ça. Puis on parlait de transmission, c'est surtout aussi pouvoir partager finalement, d'être entouré d'amis, de famille qui aiment lire aussi. C'est peut-être votre papa, il avait envie d'échanger aussi avec vous. C'est vrai, quand on aime lire, c'est chouette de pouvoir partager avec d'autres. C'est ça. Et en même temps, c'est vrai que le plus on avance, le plus chacun... C'est comme des toiles d'araignée. Et il y a des points de jonction. Mais personne n'a la même toile d'araignée que vous. Absolument. Donc il y a heureusement plein d'endroits d'entente, et c'est toujours hyper excitant quand on a adoré un bouquin et qu'on croise quelqu'un qui a adoré le même bouquin et qu'on peut pousser des cris en disant « Mais est-ce que tu as lu ?» Oui, mais c'est merveilleux. Et puis il y a les bouquins que des gens nous offrent, qu'on adore et qui nous tombent des mains et on se dit « Oh, mais pourquoi ?» Donc il y a des choses où, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Il y en a où ça marche, il y en a d'autres où ça ne marche pas, où... mais là, voilà. Et on se demande aussi ce que ça veut dire. Mon père m'a filé hors d'Essa
il y a un an et demi. Emmanuel Villas. En ayant passé la vie qu'on a eue en commun à me dire qu'il n'était pas un type nostalgique. Bon, on est d'accord. Là, quand même. Et pareil, dans un état de larmes, de « mon Dieu, mon Dieu ». Il y a Allegria qui est sortie. J'ai pas encore. J'ai senti, c'est émouvant d'ailleurs qu'un auteur ait compris qu'il nous a tellement flingués qu'il, nous qu'il a écrit un autre livre pour qu'on aille un tout petit peu mieux. Mais non, quelle merveille. Donc oui, il y a des points de jonction et puis il y en a d'autres qui nous tombent des mains. On sait pas trop pourquoi. Alors j'ai posé quelques cartes devant vous et je vous propose de prendre la première. Voilà. Vous savez pas ce que c'est. Ah, poetry is what happens when nothing else can. Ça serait bien tout tatoué, celle-là. Bukowski. Ouais. Bon, j'adore Bukowski, ce qui peut être mal entendu, mal compris, et je m'en fous avec assez. Avec nous, il y a deux versions. Je dis Bukowski, et vous le redites très bien, et du coup, c'est un autre nom. C'est ça, Bukowski. Bukowski. oui, déjà, il m'amuse beaucoup. Les personnages irrévérencieux me plaisent énormément, de plus en plus. Et effectivement, cette phrase est tellement juste. Et c'est pour ça que j'ai commencé les lives. Parce que cette phrase est tellement juste. Poetry is what happens when nothing else can. La poésie est ce qui se passe quand rien d'autre peut se passer. Et c'est vrai. Comme on le disait, un amour pour la fiction, évidemment. Et en même temps, je me suis retrouvée dans ce premier confinement à être incapable de réussir à plonger dans la fiction de quelqu'un. Et c'était la première fois que ça m'arrivait de ne pas être disponible au sens profond d'une vie de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendu compte que moi qui avais passé mon temps avec un cerveau un peu chiant à toujours vouloir comprendre, et la poésie me gonflait un peu parce que je n'aimais pas toutes les portes ouvertes, j'avais besoin de savoir. On me disait « Oh, j'adore Rimbaud !» Je me disais « Mais comment vous pouvez dire ça si je vous lis un poème, il y a 50 mots que vous ne comprenez même pas ?» Enfin, donc, je lisais Rimbaud avec un dictionnaire. Enfin, tout était... C'était laborieux. Je n'acceptais pas l'endroit de magie qu'il y avait entre. Et là, grâce à ce premier confinement, d'un coup, j'ai lu de la poésie comme j'en avais jamais lu avant, parce que sinon, la poésie que j'aimais était surtout une poésie de femme, une poésie de femme de ce siècle, en tout cas du siècle dernier, et qui était très réaliste. J'avais du mal à me laisser emporter. Et là, d'un coup, cet entre-deux zones, ce flottement étrange qu'est la poésie, c'est ma tenue. Ma tenue m'a vraiment tenue. D'un coup, j'ai pu comprendre cet étrange endroit latent entre les deux. Et le premier confinement ressemblait tellement à ça. Absolument. Que je pouvais être effectivement ou un peu dans de la mythologie et encore vraiment profondément de la poésie. Et donc, l'idée de la transmettre est venue de là. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. J'ai lu beaucoup plus de poésie et j'ai mieux perçu physiquement, je sais pas comment l'expliquer différemment de vous, ce que ça a apporté. Oui, on acceptait de lâcher le sens, de lâcher peut-être le réflexe qu'on a des fois de se mettre dans ce qu'on est en train de lire ou d'avoir envie de s'y voir ou d'avoir besoin de, comme une nourriture, d'être nourri pour de vrai ou physiquement. Et là, finalement, de lâcher, de se dire, mais ça me traverse. Un peu comme un tableau abstrait, de dire mais on s'en fout de qu'est-ce qu'on comprend, on comprend pas, qu'est-ce que ça vous fait en fait. Et voilà, des fois on est devant un Rothko et on se prend quelque chose dans le corps et on se dit mais je l'ai compris en fait, cette chose-là, ou un site Wombly, on se dit mais oui, je comprends. Donc d'un coup, la poésie a pu avoir lieu parce que rien d'autre pouvait avoir lieu. C'était salvateur. Et alors justement, les citations. Moi, je le vois aussi sur Instagram, ça fait beaucoup de bien. Ouais. J'ai beaucoup de retours aussi, ça nous fait du bien. Vous adorez ça, les citations, il y en a partout chez vous. Il y en a écrites sur les murs, il y en a ou des bouts de poèmes, ou des... Mais effectivement, ça nous tient. Ça nous tient et ça devient comme des comptines ou comme des choses qui bouclent en nous. Moi, effectivement, assez souvent, elles se retrouvent tatouées sur le corps parce que ça me... j'aime bien ça, ça me rassure d'avoir des phrases qui reviennent. Après, j'ai vraiment une mémoire de chiotte là-dessus, donc j'adorerais. Enfin, je connais quelqu'un qui se souvient vraiment des poèmes. Moi, il y en a très peu dont je me souviens. Par contre, je me souviens de leur mélodie, je me souviens de leur goût, étrangement, de leur musique. Et puis, si c'est très court, je m'en souviens un peu. Alors, j'avais un petit cadeau, comme on parle de citations que vous aimez, et de poésie et de textes dits. Ouais. Emmanuel Noblet, qui est un comédien, qui est
un ami de la Maison de la Poésie qui a fait pas mal de spectacles ici, et aussi de Reading Wild. Il a un texte en commun avec vous, de Peter Handke, par les villages. Ouais. Et quand il a su qu'on se retrouvait, voyez, on parlait du lien et de la façon dont ça nous connecte, ouais, malgré la distance. Et ben, il nous a envoyé, il s'est enregistré, il nous a envoyé sa lecture. Trop bien. En cadeau pour vous, on écoute Emmanuel Noblet nous lire Par les villages de Peter Handke. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne terre rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmé. Échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire, mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Ah ben oui. Oui, oui et oui. Ben tout est merveilleux là-dedans, que dire. Oui, il faut faire des détours, il faut se foutre un peu du... Oui, du drame du destin, et puis cette idée merveilleuse de... De suivre quelque chose de doux. Il y a une grande tendresse là-dedans. Et en même temps, il y a la violence d'aller à l'encontre de ce qu'on nous apprend, d'une certaine manière, et cette idée de... Voilà. Et cette idée qu'on n'est pas seul aussi. Parce qu'il y a le passe par les villages, mais je te suis, qui quand même nous accroche les uns aux autres. Mais effectivement, dans ce texte est impeccable, il est lu religieusement tous les matins et me fait énormément de bien. Ouais. C'est la question que j'allais vous poser. Vous le lisez tous les matins? Ouais, en fait, j'ai... Pardon pour l'intimité, mais j'ai entouré... Il y a des textes écrits absolument partout dans mes chiottes. Donc, vu que normalement, le matin, on passe un petit moment là. On a un petit livre WC dans Émile, voilà, sur la table. Voilà, j'ai... Non, et j'ai un truc, j'ai une brosse à dents électrique qui fait que ça dure pour de vrai 3 minutes et pas les 10 secondes où on s'arrache normalement avec. Donc, en fait, c'est terriblement long et je suis assez, enfin, j'aime bien faire plein de trucs en même temps, donc ça me gonfle assez de juste me brosser les dents. Donc je m'assois effectivement, je relis les textes que j'ai envie de lire, et celui-là est souvent relu. Ouais. Mm. Alors voilà. Il y a le Saroyan aussi que j'ai lu l'autre fois au Boomerang. Lui, il est juste à côté. Et puis il y a une phrase que j'avais envie de voler, enfin pas la voler d'ailleurs, mais c'est Edna St. Vincent Millay qui dit. My candle burns at both sides. No, my candle burns at both ends. It will not last the night. But oh, my foes and ah, my friends, it gives a lovely light. Ouais. Si Marie, quoi que ce soit, mettait ça sur l'endroit où j'atterris. Mais ça, ça me plaît beaucoup. Mm. Alors, je vous ai fait un petit cadeau, mais vous nous faites aussi le cadeau de... Je vois que vous êtes venue avec votre guitare. Oui, oui. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Faut pas me dire ça, attention. J'ai amené aussi mon petit cahier avec les chansons écrites parce que la mémoire... Je vois qu'il y a le cahier, comme effectivement cahier. Dans les lives hand in hand. Moi, j'ai aussi le bel EP là, qui est là, le 3 titres, ouais. que vous avez sorti en novembre, je crois. C'est ça. Ouais. Le EP Look at Me Now. Ce que vous voulez. Bon, on en fait un petit de Look at Me Now et on en parle me après. Miss, ok. Je fais la deuxième version à chaque fois. Hein. Where's the thrill gone? Where
have the tears are flowing? Is it the coming of age that has left me plums? Oh, I remember the times where just for a gaze my ticker would pound and in the morning a dozen songs. And all the sleepless nights with me trooping through town. And all the tears that gushed will ever be out for Joan. Hey, Moose, the bliss is gone. Hey, Dane, you know him songs. Cause later is Dale to be left alone. Yes, later is Dale to be left alone. Where's the thrill gone? Where have the tears I flown? Is it the coming of age that has left me blunt? Cause I remember the times where just for a kiss my ticker would pound and in the morning a dozen songs. And all the sleepless nights with me trooping through town. And the tears that gushed will ever be on for Joan. Hey, Miss, the bliss is gone. Hey, time, you know I'm songs. Cause later is Dale to be left alone. Oh, yes, later is Dale to be left alone. Yes, later is Dale to be left alone. Is Dale to be left alone. On entend vos applaudissements chez vous. J'avais très envie qu'on parle de cette EP parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur votre rapport à la création. Oui. Cette autoproduction que je trouve merveilleuse. Le fait de l'artiste un peu artisan dans le sens le plus noble du terme. Je pense que c'est ça que j'aime avec les livres aussi. Il y a une forme d'artisanat là-dedans. Je veux dire, il y a une manière de se mettre au travail. Et je pense que j'aime bien le côté laborieux qu'il y a. Et le côté physique fait du bien aussi. Parce que c'est très laborieux d'écrire, mais c'est laborieux dans la tronche en fait. Et c'est assez joyeux quand on arrive à rendre l'exercice physique laborieux aussi. ça fait qu'on avance. Alors évidemment, là je regarde, mes yeux tombent sur le Ulysse de Joyce. Pas aussi laborieux que ça, mais pour pauvre Sylvia. Mais non, effectivement, il y a une... Je pense que quand on travaille dans des régions qui peuvent être très abstraites, mettre un contexte et se retrouver dans... Alors c'est pas toujours hyper drôle de regarder des chromis, de faire des formats et de générer des codes barres, mais en même temps, ça ramène à une réalité de la chose qui me plaît bien, qui me rassure. Un, parce que je suis orgueilleuse et j'aime bien voir si j'arrive à faire toute seule. Deux, sans blague, c'était quand même une époque où tout était à l'arrêt. Et j'avais aucune envie de me retrouver ni à dépendre, ni à mettre quelqu'un dans le risque de sortir. Et effectivement, sortant de 6 années en major, donc avec la maison de disques avec laquelle j'ai sorti mes 3 albums, je voyais bien que tout était à l'arrêt, que tous les grands paquebots étaient à l'arrêt. Donc l'idée un peu de se dire, mais si avec deux gonzesses dans un joyeux petit zodiaque on prend la mer, ça se passe comment en fait cette histoire? Donc et au moins, oui, j'aime bien faire les choses moi, comme ça
Comme ça, si c'est pas bien, je sais à qui en vouloir. C'est plus simple, mais c'est une philosophie. Mon père m'a toujours dit assez vicieusement, il m'a dit, fais tout ce que tu veux tant que tu peux dormir avec la nuit. C'est bien. ça calme les gnomes tout de suite, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas pire juge que soi, finalement. Donc de se dire que là, de s'épuiser à faire un travail, mais c'est très personnel. Je sais quand j'ai passé, je ne sais pas... Si c'est 100, 200 heures à dessiner le clip. Le clip, fait, Oui, c'était un mois et demi ou deux mois d'animation à la maison, sachant que je ne sais pas faire d'animation, que je n'avais jamais eu une tablette graphique, que je ne savais pas faire, être dans un logiciel, que je n'aime pas les ordinateurs et ils me le rendent très bien. Donc c'est, peut-être que c'est eux qui ne m'aiment pas et je leur rends bien, j'en sais rien. Et effectivement, au milieu du mois d'août, en pleine canicule, où j'étais en maillot de bain, en train d'essayer de terminer ce truc avec les rideaux fermés, le chien allaitant à côté de moi. Oui, la première question qu'ont les amis proches et les gens qui vous aiment beaucoup, c'est pourquoi ? Et effectivement, ça ne m'aide pas beaucoup, ce pourquoi, parce que ça définit mon métier. Et c'est rigolo d'ailleurs, là, depuis un an, de se prendre dans la tronche le fait que c'est non essentiel. Je suis assez d'accord, hein. Moi, mais c'est ça qui me plaît tellement. C'est pour ça que c'est essentiel, c'est dans la non-essentialité de ces métiers. La poésie ne sert à rien, disait Baudelaire. Voilà. Et ça, c'est, je... La vision utilitariste de l'art n'est pas forcément... Ça me plaît beaucoup, cette idée-là, parce que c'est pour ça qu'il faut se mettre au travail et travailler encore plus, d'une manière. Est-ce que c'est vraiment noble que de passer son temps à essayer de s'en sortir, j'en sais rien, mais effectivement, on ne sait pas faire autre chose et on ne peut pas faire autrement. Alors, oui, puis nous, on reçoit, ça nous fait du bien. Voilà, et ça nous sauve. Ça nous sauve. Donc, effectivement, dans ces moments-là, moi, j'avais quand même été chargée d'amour dans les lives. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, on se dit que ça a du sens et que si ça a du sens pour une personne, le deal est bon. Ouais. Le deal est bon. Ouais. Vous avez aussi le dessin. Une part importante dans votre vie quotidienne. Oui, j'essaye. Ouais. Je sais que vous avez notamment illustré, il est là, des dernières éditions de Just Kids, de Patti Smith, chez De Noël. Là aussi, c'était du boulot, mais c'était un exercice très compliqué, en fait. C'était un exercice très compliqué parce que c'était comme être dans la... C'était comme... Enfin, c'était pas comme, c'était vraiment être dans l'intimité d'un couple. Donc, y a un moment donné où je me suis demandé ce que je faisais là, entre deux, finalement. Et c'est tellement beau ce qui se passe entre deux, sachant que les deux dessinent, que les deux écrivent, que les deux ont une belle écriture au sens premier, que dans les versions du Just Kids qu'on connaît, il y a leur écriture manuscrite, il y a leur dessin, il y a les photos. Alors, on se dit vraiment de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire. Alors oui, laborieusement, pendant un mois, j'ai essayé plein de choses qui ne marchaient pas du tout, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ce qui était incroyable avec ces deux-là, c'est qu'ils étaient tellement mythiques, qu'ils appartenaient tellement à notre inconscient et notre imagerie, que je pouvais me permettre d'enlever les mains et les visages, et qu'en fait, on les reconnaissait tout de suite. Et là, je me suis dit, ah ben ça me plaît bien, parce que c'est un livre sur deux petits qui veulent devenir mythiques et qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont déjà, et que tout ce cheminement... qu'ils auront, finalement, nous, il est déjà inscrit dans notre vie. Ils sont les derniers à le savoir, d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'étrange comme ça, parce qu'évidemment, il y a un décalage du temps. Mais nous, en le lisant, on sait bien. Donc c'était de jouer avec, avec l'universalité de leur singularité. C'est très réussi. Merci. Je vais vous proposer de reprendre une petite carte. Un petit verre de rouge. You cannot see me from where I look at myself. Francesca Woodman. Ben ouais. Ah ouais. Cette phrase me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle dit beaucoup. Enfin, ouais. On va en parler, mais ouais. On parlait du dessin, mais je trouve dans votre façon d'aborder justement la création. C'est ça qui est fou, c'est que finalement, effectivement, ça n'est qu'un point de vue. Je me souviens d'avoir une conversation avec... avec mon fils un peu plus jeune qui est assez drôle, a lu Adolphe de Benjamin Constant, évidemment lourdement suggéré par sa mère, mais et qui m'a dit un peu une sorte de oh bah, tout ça pour ça. Alors là, j'ai essayé de pas mourir tout de suite, et puis c'était rigolo parce que je lui ai dit, mais ma bibliothèque entière, ça n'est que ça. On parle ou de gens qu'on aime, ou de gens qu'on aime qui sont partis, ou de gens qu'on aime qu'on a quittés, mais en gros,
ça parle finalement de la vie, et la vie peut se résumer à de l'amour, de la peur, c'est souvent lié, l'aventure un peu, et un désir de témoigner du fait qu'on a été là. Mais sinon, ce qui est beau, c'est que la seule chose qui change est le point de vue, en fait. Et ce qui me plaît tant chez Sylvia Plath, ce qui me plaît tant chez Dorothy Parker, c'est son point de vue. Effectivement, l'histoire qu'elle raconte, c'est la banalité de toutes nos histoires. Ce qui est rigolo, c'est dans quel angle, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Où est-ce qu'on décide de faire le point, comme un photographe? Et Francesca Woodman, effectivement, il y a quelque chose aussi de cette idée du point de vue. Et quand je dessine, effectivement, je dessine beaucoup la vue d'au-dessus, parce que c'est ça qui m'émeut. Ouais. Et effectivement, ce que je vois, moi, de moi, voilà. Mais et quand je montre les dessins, très souvent, si les gens les voient à l'envers, ils ne les comprennent pas, d'ailleurs. C'est plein de traits. Et puis, s'ils le mettent devant eux, d'un coup, c'est eux aussi. On est coincé avec ça. C'est ça que je vois bien plus que des images que j'aurais de moi ou du miroir. Comme l'étrangeté qu'on ne se verra jamais marcher, qu'on ne connaît pas notre silhouette et qu'on ne se voit pas dormir. Voilà, c'est les moments les plus intimes. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette idée de... Avec quoi on avance dans la vie? C'est comme dessiner mes mains. Ça y est, elles commencent à bouger. Il y a des petites rides qui arrivent, il y a des taches qui arrivent. Ça ne me plaît pas plus que ça. Et en même temps, je me dis, ça sera émouvant de les dessiner jusqu'au bout. J'ai commencé à les dessiner, j'avais 14-15 ans. Voilà, c'est ce que j'aurais le plus vu de moi. C'est mon rapport au monde. C'est avec ça que j'ai été capable de la plus grande tendresse, tout comme de la plus grande violence. C'est ce qui témoigne des choses les plus officielles et des choses les plus intimes et dégueulasses. Et c'est merveilleux, cet outil. C'est ce qui nous a relié aussi pendant le confinement. Absolument. Voilà. C'est étrangement, cette saloperie de virus a bien compris. Ouais. Qu'on est des créatures qui aiment se toucher, on est des créatures sociales, sociables, on est des primates là-dessus. Voilà, ce qui compte, c'est le sourire, la réaction de l'autre. On rigole parce qu'un autre rigole. Je voyais des vidéos sur YouTube avec des gens qui ont des fous rires. C'est incroyable de voir l'état dans lequel ça nous met, de voir des gens. Et donc on n'est que des créatures de réaction. Et c'est vrai que. Et des créatures d'empathie. Et la littérature, pour moi, est une des meilleures portes vers l'empathie. Il y a peu d'autres médiums où je peux entièrement ressentir ou m'approcher, en tout cas au plus près, de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être un vieillard, de ce que c'est qu'être un enfant, de ce que c'est que vivre au XVIe siècle, de ce que c'est qu'être cosmonaute, de ce que c'est incroyable. C'est comme si on est effectivement inside et qu'on voit comment est-ce que quelqu'un voit le monde. C'est comme avoir eu la chance d'être mis dans le cerveau de quelqu'un. Bah, j'aime bien comme vous le voyez, en tout cas, le monde. Merci. Je vous invite à prendre une autre petite carte. Allez. Quand je vous écoute. Alphaville. Ah bah ouais. Très étrange, très bien. Mais voilà, je pense qu'on a accès au bout d'un moment à ces films-là quand on est passé par la poésie aussi. Alors, on a un petit son à écouter pour partager. Parfait. Et comme ça, on en parle un petit peu après. Alphaville, Jean-Luc Godard. Le regard, la parole, et le fait que je t'aime. Tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi. J'allais sans fin vers la lumière. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entrouvraient le brouillard. Mmh. Là, c'est merveilleux. Ça me fait tout de suite penser aussi au merveilleux discours qu'on aime bien aussi toutes les deux de « Je suis responsable d'en vivre sa vie ». Absolument. Effectivement. J'ai hésité. Hein. Non, mais ils ont une résonance. Ouais, ils se répondent. Oui, on vit que pour ça. On vit que pour ça. On vit que pour se jeter dans les bras à un moment donné de quelque chose. L'autre peut être plein de choses, mais à quoi bon sinon? Je sais que c'est des moments peut-être d'égo monstrueux ou de. Mais effectivement, j'aimerais avoir 1000 milliers de vies juste pour pouvoir.
prendre les gens dans les bras. Je pense que de ou mettre les mains sur la tête, ou de pouvoir apaiser d'une manière ou d'une autre. Où je me dis, mais qu'on est beau et qu'on est courageux. On connaît la fin de l'histoire quand même. On connaît la fin du bouquin et on accepte cette tragédie. On accepte de tomber amoureux quand même, de mettre au monde quand même, d'aller à ce rendez-vous quand même, de s'habiller quand même, de sortir du lit quand même. Il y a beaucoup plus de raisons de ne pas le faire que de le faire finalement. Mais c'est tellement merveilleux de devoir y aller. Je pense que c'est Sioran qui disait qu'on se suicide toujours trop tard. De toute façon, enfin, là, il y a quelque chose de cette idée de se dire que c'est un très mauvais deal. Comme quand les gens parlent du Brexit. Mais là, c'est notre passage. Et alors, c'est émouvant. On en fait quelque chose de très important. On en fait des choses dramatiques. On se permet des choses terribles. On y croit tellement à ce jeu. C'est ce que j'adore de Bill Hicks, le mec que j'ai tatoué sur le bras, qui dit, voilà, c'est... It's just a ride. C'est qu'une... comment on dirait a ride? Une échappée. Mais que si on est dans un funfair... Comment ça s'appelle si on monte dans un grand 8? On fait quoi? On fait le jeu, on fait le parcours, ouais. Un truc comme ça, c'est moins joli. a ride, effectivement, c'est juste un tour de manège d'une manière. It's just a ride. Ça monte, ça descend, ça fout la trouille, il y a des angoisses. En fait, on peut descendre quand on veut, hein, finalement. Et puis, c'est pas plus grave que ça. C'est ça qui est terrifiant. C'est pour ça qu'il y a tellement de bouquins. C'est pour ça qu'il y a tellement de musique. C'est pour ça que c'est cet étrange élan de vouloir donner du sens, en mettre trop, en enlever, en remettre. Et puis, il y a le côté terrifiant de ce qu'on est capable de faire au pire. Et mon Dieu, qu'on est capable du pire. Et en même temps aussi, capable individuellement, tous, toujours, même ce qui est le plus atroce, de moments de grâce absolue. C'est ce qui est très, très joliment dit dans le livre de Joseph Kessel que je suis en train de lire en ce moment. Le tour du malheur. Le tour du malheur, c'est vrai qu'on est capable tous de... Il y a de la grâce chez tout le monde. Et effectivement, il y a des gens plus ou moins appelés. Il y a des gens où ça se voit plus ou moins qui ont la capacité de nous rendre la vie un peu plus légère. Mais sinon, on ne fait que tendre vers quelque chose. On essaye. Alors, il y a quelque chose qui rend la vie un peu plus légère, c'est quand on vous écoute chanter. Comme ça, je serais bien amenée dans la déprime avec moi. Non. Et en plus, je vais faire une chanson, ce qui fait que ça ne va pas forcément vous aider plus. Mais qu'est-ce qu'on veut pour aller mieux? Nothings. Nothings, womb, ce que vous voulez. Ah, il y a un petit désir de womb. Ouais. Ouais. Bon, alors, womb, j'en parle après. Ouais. On vous écoute, alors il y a le cahier, on peut le monter sur la table si vous voulez, ça va? C'est le... Je bouge le verre ou ça va? Allez. Je veux bien juste le micro. Oups, pardon. Surtout en train de bouger des trucs. Hop. On prend des risques, hein, là, tout d'un coup. Attention. Je suis contente de le voir en vrai, le cahier. You're the one who came to me and had you. First and last, where's my die and a scratch or two? Oh, now I walk into the absence in the womb. Beneath the daffodils, I lie with you. Though I feel your presence near, velvet steps and shadows too. Nothing now to fill the space in between the cracks of you. Well, now I walk heaven, your absence in the womb. Beneath the daffodils, what's left of you? I call out your name. Oh, how easy it is to forget. My hand in the air reaches out, nothing's there. To be with the dead is to be me once again. You're the one who came to me and out of you.
stoneless words of my day and a scratch or two. Now I walk into the absence and the wound beneath the daffodils I lie with you. And though I feel your presence near, velvet steps and shadows too, nothing known to fill the space in between the cracks of you. Oh, now I walk heaven, your absence in the womb beneath the daffodils, what's left of you. I call out your name, oh, how easy it is to forget. My hand in the air reaches out, nothing's there. To be with the dead is to be me once again. Merci. De rien. Pour cette merveilleuse chanson, je l'adore. Je crois que je ne l'ai jamais joué. En... Je l'ai peut-être joué une fois pendant le confinement, je ne suis même pas sûre. Je sais si. Pas. Ah, mais parce que vous l'aviez demandé. Voilà. Oui, une ouais. Chanson... Oui, une chanson écrite à la demande de Sophie Kahl. Pour son chat, qui s'appelle Souris. Pour son Souris. Chat, Souris. C'était intéressant de faire... C'est ma première commande. Mais non, c'était... Ben justement, il y a quelque chose voilà, qui me plaît dans, cette, dans ce travail de l'intime. En fait. Et j'aime énormément le travail de Sophie Kahl, sa manière de travailler l'intime, tout comme Miranda July, où je trouve qu'il y a une manière de raconter ça, de casser des frontières. De, c'est peut-être un peu genré ce que je veux dire, mais effectivement, quand il s'agit de rentrer dans une forme de violence, de sa manière, la manière de se regarder, je trouve que... Quand les femmes y vont, c'est souvent bien plus violent que les hommes dans leur manière de vraiment arracher leur intimité, en fait, de plus rien garder. Et ça, ça me trouble beaucoup, ça me plaît énormément. Et donc c'était rigolo de dire, mais alors comment est-ce qu'on travaille avec l'intimité de quelqu'un d'autre ? Et la seule manière de s'y mettre, c'est de mettre sa propre intimité dedans. Donc effectivement, je me suis complètement perdue dans cette chanson. Ce qui fait sa beauté. Oui, où je pense qu'on voilà de s'approprier. Et le womb, c'est l'utérus, c'est l'endroit dedans. Cette demande est venue pas longtemps après la mort de ma sœur. Et effectivement, tristement, dans ma famille, ma tante, mon oncle et ma mère ont tous enterré un enfant. Donc, je les ai vus parler du moment où il faut le remettre dedans. Et cette étrange idée qu'il fallait que, pour tenir et pour survivre à ça, il fallait presque les réavaler d'une manière. Il fallait qu'ils soient dans le ventre de nouveau. Et Sophie, très drôlement, avait quelque chose de cet ordre-là. Donc le chat qui donc, s'appelait Souris n'était plus là, mais elle avait fait faire une prothèse de ventre. Et elle avait simulé un accouchement pour Jürgen Teller, pour le New York Times. Et ça m'a fait rire que ça revienne à cette même chose-là. Où elle m'a dit, mais est-ce que tu penses que je peux porter ce ventre de grossesse et est-ce que j'ai le droit ? J'ai dit, mais évidemment, tu as le droit. Elle dit, mais je ne veux plus l'enlever. J'ai dit, mais garde-le. Garde-le. Qu'est-ce qui nous empêche de marcher dans la rue avec des ventres qui soient vrais ou pas vrais ? Qu'est-ce que ça veut dire, un vrai ventre, un faux ventre ? On s'en fout. C'est ce sentiment-là de voilà, il y a quelque chose là-dedans de sublime, de terriblement poétique, de terrifiant. Aussi, et je pense que voilà, ce couperet, ce edge, j'aime les gens qui jouent près du bord. Et là, Sophie Kahl, ça joue près du bord. Miranda July, ça joue près du bord. Donc, on se doit, quand on travaille avec ces gens-là, de se dire qu'il va falloir que ça joue un peu près du bord. Ouais. Alors, le temps file. Quand c'est je vrai, vous il est quelle heure ? Quand je vous écoute, on est en direct, je crois qu'il est 8h05. Hein ? Alors, je ne vais pas vous libérer. Sans vous avoir posé quelques petites questions flash du questionnaire Reading Wild. Ça, c'est alors, le mot qui ne va pas avec moi, c'est flash. C'est pour ça, c'est l'épreuve. Bon c'est, courage. C'est le Allez, principe, on c'est une question... Une réponse. Une réponse. Oh, okay. Comme ça, après, on pourra chanter une petite chanson. Okay. On doit tirer au sort
Parfait. Nos heureux gagnants, je ferai peut-être le tirage au sort pendant que je joue une petite chanson. Ok. Mais d'abord, le questionnaire, question flash. Alors Lou, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Moi, j'aime bien aller encore plus loin dans le sentiment, histoire d'être vraiment au sol, mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Si, il y a celui très beau de... Oh, et j'ai un blanc. Je me suis revenue, que j'ai tatoué sur mon bras. Ça y est, c'est le côté flash, je ne vais pas trouver. Laissez-moi, qui est un livre de... Oh. Bon, si vous avez Internet, si vous nous écoutez, vous avez Internet. Voilà, vous êtes connectés. Laissez-moi, écrit par une femme qui a écrit ce seul roman, je dirais autour des années 50, je ne vais pas dire de bêtises, dans un sanatorium et qui... Ah, j'ai plus son nom, mais le titre vous donne une idée. Voilà. Je le mettrai dans le descriptif. Laissez-moi. Du podcast. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Ça peut aider. Le livre antidépresseur. Ben, mon père m'a toujours dit que c'était très amusant, donc moi je l'ai toujours vécu comme étant un truc très drôle. C'est les cahiers de Sioran. Je suis peut-être, ça peut être drôle, ça peut faire du bien, mais parce que je pense qu'il faut jamais empêcher un sentiment, faut plonger avec. Donc moi je dirais, oui, notes ou journaux de Sioran, c'est pas mal, ouais. Bonne reco. Le livre réparateur. Bah, Proust ou James Joyce, parce que le temps que vous ayez fini, de toute façon, votre vie aura changé. Donc ça va réparer d'une manière ou d'une autre. Mais réparateur... Si, y a des, on peut se transporter. Et effectivement, là, je recommande de la mythologie, pour le coup. Ça embarque, rien ne peut vous rappeler votre quotidien, sauf si vous avez vraiment un quotidien délirant. L'Iliade ou l'Odyssée, vous êtes bon, normalement. Ça ne vous, vous ramènera pas à ça. J'ai vu qu'il y a une nouvelle traduction, d'ailleurs, de l'Odyssée qui vient de paraître chez POL, qui a l'air sacrément intéressant. Donc, la mythologie, vous êtes safe, normalement. Ça, et on rigole. Sinon, moi, mon préféré, c'est les métamorphoses d'Ovide, ça c'est une merveille, c'est une merveille. Le livre qui régénère. On en a besoin en ce moment. Ça peut être de la poésie, hein. Qui régénère, je sais pas. Oui, ça peut être de la poésie, mais en même temps, non, je crois que j'aime des choses un peu denses et un peu lourdes, en fait. J'essaie de trouver un truc plus... Ça tombe bien, j'ai la suivante. Ah, voilà. Le livre qui bouleverse. Ah oui. Plein, mais Une vie de Maupassant, ça met bien, normalement. Oui. Alors, c'est Une vie de Maupassant ? Oui. Le livre pour amuser la libido. La mécanique des femmes. Le classique indispensable. Ulysse de Joyce. Ça, c'était le caillou dans la chaussure un petit peu. Ça y est, vous l'avez avec le confinement, on en parlait. Ouais. À la sortie du confinement. Ouais. 3 mois, merveille. Alors ça, effectivement, c'était Sylvia de Shakespeare and Company qui m'a dit... Pour lire Joyce, il faut le lire à haute voix, parce que c'est de la poésie. Le prendre comme un poème. Et effectivement, je l'ai quand même lu avec une version de Oxford, avec une étude à côté pour pouvoir suivre quand même quand ça m'échappait trop, mais il ne faut pas lâcher. C'est pas tendre. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui a à ce point-là pas envie que vous puissiez le lire, mais il y a une révélation qui se passe à un moment donné. Il y a un moment de jouissance physique, vraiment, de incroyable. Et c'est à lire en français aussi, je pense, parce que Joyce l'avait quand même écrit quand il était en France et a supervisé d'une certaine manière la traduction en gardant un œil dessus, avec plein d'auteurs différents qui traduisaient en fonction des chapitres. Donc je pense que c'est bien en français. Et le dernier, le monologue de Molly Bloom à la fin, mais je veux dire, c'est
C'est incroyable. Effectivement, on m'a bassiné 20 ans en disant « il faut lire Ulysse de Joyce » et ça y est, je deviens cette terrible personne qui vous dit « il faut lire Ulysse de Joyce ». Vous êtes allé à plusieurs reprises et c'est ce que vous disiez au début, c'est important d'avoir de la ténacité. C'est quelque chose que j'aime bien chez vous, c'est qu'on y retourne. Quoi. Il ne faut pas lâcher. Bah, yes, là, c'est l'orgueil qui arrive de se dire « je ne suis quand même pas plus con qu'une autre, donc ce n'est pas possible ». Donc j'ai eu ça avec Céline, j'ai eu ça avec Proust et j'ai eu ça avec James Joyce. Ouais. Bah, c'est des gens qui vous demandent beaucoup. Mais ça, c'est normal. Une grande histoire, ça demande beaucoup. Donc, c'est joli ce que vous dites par rapport à la lecture, parce que c'est vrai qu'on peut appréhender, hésiter, buter à l'idée de se lancer dans un ouvrage. Il y a des romans qui vous draguent, et puis comme les gens qui vous draguent très lourdement, le lendemain on ne sait plus comment ils s'appellent. Donc, il vaut mieux, vaut mieux aller vers ceux où ça va être un peu plus compliqué, un peu plus pénible, mais vous allez vous en souvenir. Et si ça se trouve, ça sera l'histoire de votre vie. Ouais. Est-ce qu'on rechante une petite chanson? Ah, sur une histoire de vie, par exemple? Par exemple. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse choisir. Parce que moi, je voudrais tout. Alors, vous comprenez, après, il sera 22h. Tout de suite, mon rire. Antigone Danoé, je pense que c'était mon premier motto de vie. Je veux tout de suite tout mourir. Heureusement, ça s'est un tout petit peu calmé. Je veux tout de suite et je mourrai un peu plus tard. Est-ce que vous avez envie de chanter? Oui. The clock is ticking. C'est comme la fin des lives de 17h. Je peux être pas original et faire un IC ou je peux être plus original. J'y avais pensé, c'est marrant. Ou same old game, histoire de... Oh, ou Sauté. Je l'ai pas chanté. Ça est très ancienne. Ça, c'était émouvant parce que c'est une chanson sur une fille qui se fait tromper. Et j'ai écrit ça en étant super fière de moi. Je me suis dit, je sais écrire de la fiction. Et 6 mois après, j'ai compris que non. C'était encore une chanson autobiographique, mais je ne l'avais pas vu venir. Donc c'est ça qui est bien aussi. Quand on écrit, on surprend. I'm stuck again in the same old game and there's no way in, no way out. But I found me a man that don't give a damn. So I wait every night. And if I try to explain what breaks my soul, he cries and begs for me not to go. And so I stay and I hold his hand as he looks away without a sound. And I try to forget and believe what you say, the excuses you make and the game that you play. But something's gone wrong, because once I was strong and now I'm down on my knees trying to please you. And so I stay and I hold his hand as he looks away without a sound. And I hold his hand as he looks away without a sound. And I find no peace, and I find no rest as I stare at the hands that go round and round. Yes, I find no peace, and I find no rest as I wait for my man whose hands go round. And so I stay and I hold his hand as he looks away without a sound. Yes, I stay and I hold his hand as he looks away without a sound. Without a sound. Merci. Merci. Alors j'ai sorti le téléphone parce que je crois que c'est l'heure du tirage au sort pour faire gagner les 3 exemplaires de votre formidable EP Look at Me Now. Je vous laisse le dire dans la vraie version. Look at me now. Look at me now et
Ben oui, qui sont les gagnants? Alors, ben ça se fait en direct. Je crois que vous pouvez lire un petit texte si vous voulez pendant que je... Ah, pendant, qu'est-ce que je peux lire? Ouais, ça serait une bonne idée, comme ça je lance le... Le petit tirage, c'est vraiment en direct, hein, donc... La personne va trop comprendre, mais pour le plaisir de... Est-ce que je peux... Un bout de Molly Bloom. Ah, génial. Il n'y a pas de spoiler, hein. Démarrer à la page 1, sinon, et puis on fait tout le livre. Hein. On n'a pas de contrainte de temps. C'est ça. Là, pour le coup, je pense que... Et moi, je lance le tirage. Plein de bouts soulignés. Ça, c'est votre exemplaire. Oui, qui est en morceaux, comme d'habitude, mais... Mais c'est beau, c'est justement de retrouver les traces. C'est ça, de souvenirs. De lecture. Alors, on va essayer. J'ai combien de temps que je minute mon... On se dit... 20 secondes, 30 secondes? Non, une minute. Ah. Alors... C'est une longue phrase, hein, donc je vais rentrer dedans. In a grey tweed suit and his straw hat the day I got him to purpose to me. Yes, first I gave him the bit of seed cake out of my mouth and it was leap year, like now he was, yes, 16 years old. My God, after that long kiss, I near lost my breath. Yes, he said I was a flower of the mountain. Yes, so we are flowers, all a woman's body. Yes, that was one true thing he said in his life. And the sun shines for you today. Yes, that was why I liked him, because I saw he understood or felt what a woman is. And I knew I could always get around him. And I gave him all the pleasure I could, leading him on till he asked me to say yes. And I wouldn't answer first, only looked out over the sea and the sky. And I was thinking of so many things he didn't know, of Mulvey and Mr. Stanhope and Hester and father and old Captain Groves and the sailors playing all birds fly. And I stay, stoop, and washing up dishes. They called it on the pier, and the sentry in front of the governor's house was the thing round his white helmet. Poor devil. Half roasted, and the Spanish girls laughing in their shawls, and their tall combs, and the auctions in the morning, the Greeks and the Jews and the Arabs, and the devil knows who else from all the end of Europe, and Duke Street, and the fowl market, all clucking outside Larby Sharon's, and the poor donkey slipping half asleep, and the vague fellow in the cloaks asleep in the shade on the steeps, and the big wheels of the carts of the bulls, and the old castle, thousands of years old, yes, and those handsome moors, all in white and turbans like kings asking you to sit down in their little bit of a strop and ronda with the old windows of the posadas, glancing eyes, a lattice hid for her lover to kiss, the iron and the wine shops half open at night and the castanets and the nights we missed the boat to Algaricas, the watchman going around serene with his lamp and oh, that awful deep down torrent, oh, and the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets and the fig trees in the Alameda Gardens, yes, and the queer little streets, and pink and blue and yellow houses and the rose gardens and the jessamine and geraniums and cactuses and Gibraltar as a girl when I was a flower of the mountains, yes, when I put the rose in my hair like the Andalusian girls, or shall I wear a red, yes, and how he kissed me under the Moorish wall, and I thought, well him as any other, and then I asked him with my eyes to ask again, yes, and then he asked me, would I, yes, to say, yes, my mountain flower, and I put my arm around him, yes, and drew him down to me so he could feel my breast, all perfume, yes, and his heart was going like mad, and yes, I said, yes, I will, yes. C'est un bout d'un monologue fou d'une trentaine de pages de toute une vie, voilà, entrecoupé de cet étrange, merveilleux yes. Eh ben merci pour cette belle lecture. Moi j'ai récupéré nos trois gagnants. Yes, qui a gagné? Puisque nous vous offrons ces trois vinyles avec Patch My Work, la société avec laquelle vous avez produit ce disque. Alors je crois qu'on a trois femmes. Alors parce que c'est les pseudos Instagram. Hein. Tirage au sort dans les commentaires. Donc Dominique Ambrogui 7,
Lola Labelle 92 et Les Accélérations. Chaque candidat nous a donné les vrais bons prénoms. On va pouvoir signer ça ensemble juste après avoir rendu l'antenne, comme on disait il y a quelques années. Il est 20h passé de quelques minutes. On va rendre l'antenne. Ça va me laisser le temps de remercier. Merci Saovie. Merci la Maison de la Poésie. Merci de m'avoir eu. À la prochaine fois. Merci. Voilà. Merci Thomas au son. Merci Patrick à la lumière. Merci Olivier Chaudançon de nous accueillir ici à la Maison de la Poésie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et Francesca Mantovani, qu'on ne voit jamais, mais qui a la conception artistique de tout ça avec moi, qui nous a installés un peu comme si on était chez vous. Et on s'est senti bien. Ouais. Pour moi, c'est passé trop vite. Pareil. Tant mieux, on se reverra. Ouais. Et bonne soirée à tous. On vous laisse passer à table et nous, on signe les disques. C'est ça. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Min et produit par Reading Wild.